Ladies and gentlemen, welcome to Saint-Denis Roland-Garros Airport. It's 6:22 local time. We find ourselves starting from scratch, brick by brick. No path carved out. Je vous retrouve en direct de La Réunion. J'ai atterri à 6h30. Là, il est 10h30 du matin et j'ai déjà réussi à aller faire un plouf dans l'océan. Je commence cette série de vlogs dans la voiture. Je pense que je vais y passer beaucoup de temps. Je l'ai récupéré ce matin. À 7h, j'avais retrouvé le loueur de la voiture avec qui j'ai passé 2 heures. Et après, ben, après vous avez côté montagne, quoi, Mafate, Cilaos. Le curry, la base d'oignons, d'ail. On s'est arrêté à Saint-Denis. Manger une spécialité réunionnaise qui s'appelle le pâté, un feuilleté en fait fourré avec de la viande. C'était trop bon. Il m'a donné plein d'astuces pour la suite de mon séjour. Enfin voilà, première rencontre à La Réunion, Henri, un cœur. J'ai même pas eu besoin de conduire, c'est lui qui m'a conduit partout, c'était trop drôle. J'attends plus que le Airbnb qui est dispo à 12h45. Donc là voilà, j'ai été faire un petit plouf sur la plage de Saint-Leu, c'était génial. Tu sais, le premier plouf qui te fait oublier l'avion, parce que j'étais un peu dans un monde parallèle là. Je suis habillée n'importe comment, coiffée n'importe comment, mais voilà, ça va être ça, les vlogs à La Réunion. Je suis passée tout à l'heure à l'office du tourisme de Saint-Leu pour récupérer pas mal de petits prospectus comme ça, que je vais feuilleter ce soir, parce que oui, j'ai rien organisé. Voilà. Je le dis, je l'avoue. Dans l'avion ce matin, il y avait déjà une abonnée qui partait exactement comme moi le 1er novembre en solo, mais elle connaît pas mal de gens ici. Donc voilà, elle m'a dit qu'on pouvait se faire des trucs, donc moi ça sera avec plaisir. J'ai hâte d'aller boire des verres avec vous, faire des randos, etc. Ça va être trop cool. Je sens que je vais pas être seule très longtemps. Je cherchais un endroit où me poser pour manger un bout et attendre du coup le Airbnb. Et là, j'ai trouvé la maison de la Coco. Alors, je dois aller où là? Par là. Et apparemment, ils servent donc que des spécialités à la coco. Donc, on va tester ça ce midi. Merci. Like a beautiful day in August. I get lost in your frequency when I'm not recording. J'ai demandé un peu de sauce pimentée parce que je trouvais que c'était pas assez relevé. Ils m'ont apporté ça en me disant que ça donnait des ailes et je confirme. Je compte tester tous les piments de La Réunion. Je viens d'arriver dans mon premier Airbnb. Je suis ravie. C'est encore mieux que sur le site. C'est un Airbnb qui est chez l'habitant, mais il y a vraiment une espèce de dépendance. Donc là, c'est ma petite terrasse avec vue sur l'océan. Et en fait là il y a une grande baie vitrée qui s'ouvre complètement. Il est tout en longueur comme ça. La petite cuisine qui est trop mignonne. Je vais kiffer faire la vaisselle parce que il y a cette vue. Là il y a la salle de bain qui est franchement qui est hyper jolie. Je vous montre pas trop ma tête, je suis médiocre. Et là il y a la chambre qui est trop cool. Je vais pouvoir ranger toutes mes affaires parce que là je reste là 5 nuits. Donc je vais pouvoir m'installer un peu parce que là mes sacs c'est le bordel. Eh, t'es qui toi? T'es qui toi? On va mettre des règles de base. Tu restes dehors. Mais t'es très mignonne. T'es très mignonne. Oh, ça va être ma copine pendant le séjour. Bah oui, je te raconterai mes journées. Regardez ce que la dame du Airbnb elle m'a offert. 2 petits œufs du poulailler. Le poulailler qui est juste là-bas. C'est trop mignon. Bon, je vous reprends quelques heures plus tard avec des cernes. C'est... qu'est-ce que... dormir? Il est bientôt 17h, je me suis fait un reset, j'ai pris une douche, j'ai fait mes cheveux. Ça fait un bien fou. Par contre, je pense que j'ai attrapé froid dans l'avion. Un rhume s'est abattu sur ma personne, donc je vais aller à la pharmacie, acheter 2-3 trucs et faire mes premières courses ici. Apparemment, c'est très cher dans les supermarchés. Donc je vais aller voir ça, je vais acheter 2-3 bricoles, des petites bières. Parce que là, ce spot-là, pour boire des bières et lire un livre...
D'ailleurs, j'ai hâte de voir ce que le coucher du soleil va raconter par ici. Ici, le soleil se couche très tôt. Il se lève vers 5h30. Donc voilà, va falloir être taquet pour ne pas louper tout ça. J'avais grave envie d'aller me balader un petit peu là en fin de journée à pied. Mais au final, je vais prendre la voiture. Ouais, j'ai envie de garder mon énergie pour demain être au taquet. Je vais faire du montage ce soir. When we get together, everything just feels alright. Staring in your eyes, girl, all I see is starlights. You're my top prize, yeah, yeah, but we more like, but we more like, yeah, friend. Bonjour tout le monde, bon matin, je vous retrouve, il est 8h30, je suis dans la voiture, prête à partir pour ma première rando à La Réunion. J'avais mis un réveil de base à 6h30 pour être vraiment au taquet, ne pas avoir les embouteillages, être sûr qu'il fasse beau et tout. Échec de la mission, à 5h j'ai été réveillée par le coq de la baraque. J'en ai profité pour enlever le réveil. Mais c'est pas grave, j'essaie de pas me mettre la pression en fait, parce que j'ai quand même 3 semaines. En 3 semaines j'aurai le temps de faire absolument tout ce que je veux. Et c'est pas grave si tous les matins à 6h je suis pas en train de marcher dans la montagne. Là j'ai quand même une heure de voiture pour faire la rando que je veux faire. Je pense que c'est vraiment la rando la plus connue à La Réunion. Je vais faire la petite rando là de 1h30 de Vert-Bouteille qui donne une petite vue sur Mafate. Apparemment c'est la rando classique que tout le monde fait, qu'importe le niveau. Ça donne un petit avant-goût de Mafate et je pense que ce sera pas mal pour se mettre en jambes. Et ensuite j'ai un peu réfléchi au reste de ma journée, ça va être très très cool. Je suis trop contente d'être là. Franchement en m'endormant j'avais un peu peur parce que j'ai regardé le court-métrage d'horreur de Squeezie. Quelle idée de faire ça alors que t'es seule dans un Airbnb. Et au final la nuit s'est très bien passée. Je suis dégoûtée, il y a grave des bouchons. 1h30 pour y aller. Je suis là et je vais tout là-bas. Je retourne dans le nord pour aujourd'hui. Oh, putain, je suis trop bête, j'aurais dû partir plus tard. C'est parti pour la première petite rando. Je viens d'avoir Julien, c'est le guide avec qui je vais faire la montée du Piton des Neiges samedi. Donc là, il m'a bien confirmé l'ascension et il m'a dit que c'est un départ à 12h30 pour faire le lever du soleil. Ça va être incroyable. Pour une première rando, je suis trop contente. C'est trop joli, c'est pas trop dur. Je voulais vous partager un petit truc qui me chiffonne. C'est que partout dans les guides, à l'office du tourisme et tout, on te répète de ne jamais partir seul en randonnée. Moi, j'ai vraiment conçu ce voyage autour du fait d'être seul. Donc, j'ai pas envie de passer toutes mes randos avec des gens. Sinon, ça n'a plus aucun intérêt. Bien qu'il y ait plein de choses à tirer aussi d'une rando en groupe, et je vais en faire aussi, mais il y a des randos que je vais avoir envie de faire seule. Du coup, ça me fait hyper bader. Donc, bien sûr, je prends des précautions. Ce que je fais, c'est que tous les matins, quand je vais partir en rando, je vais mettre sur une combe avec une copine avec qui je parle tous les jours. Je vais toujours prévenir la rando que je prévois de faire. Comme ça, si jamais pendant 3 jours je disparais, ça veut dire que je suis perdue, blessée, décédée sur ce sentier en particulier. Et comme ça, au moins une personne sait où je vais. Aussi, il y a pas longtemps, j'ai regardé le film, là vous savez, comment ça s'appelle, 127 heures, je crois, où le bras d'un mec reste bloqué dans la falaise. Ça m'a traumatisée. Du coup, là, avec moi, j'ai pris un sifflet. Comme ça, si jamais je tombe entre deux cailloux, j'aurai au moins un sifflet pour annoncer ma présence. Voilà. Voilà mes petits tips pour pas respecter la règle qui est de ne jamais randonner seule. Non mais en vrai ça me fait chier de donner le mauvais exemple. Mais en même temps ça se fait je pense. Si vous vous sentez pas capable mentalement, physiquement ou quoi de vous lancer dans une rando, parce qu'en vrai c'est pas anodin. Il y a énormément de gens qui se blessent. Faut en être conscient avant de partir je pense. Et après voilà. Partir avec son âme et conscience. Les randos vraiment très difficiles, très très longues. Moi je me sens pas trop de les faire seule je pense. J'ai trop peur de me perdre surtout. Du coup ça je ferai avec un guide. Mais pour les autres, moi j'ai envie d'être un peu toute seule. Seule avec mes pensées à ruminer sur le monde et sur ma vie. Pour redescendre, on longe la falaise, faut pas faire trop la maligne, mais c'est hyper agréable et franchement il n'y a pas grand monde. Je pensais que ça allait être vraiment blindé et au final, vous voyez, je suis hyper tranquille et c'est toujours aussi beau. On était juste au-dessus avant, enfin j'étais juste au-dessus, pourquoi je dis on, je suis seule. Première rando. Check, c'était génial, j'ai trop kiffé.
Genre là vraiment je suis trop happy. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps. J'avoue que là je suis un peu frustrée. Mais bon, il y aura d'autres randos trop chouettes plus tard. C'était trop bien. Franchement, comme première activité, il est trop bien ce sentier. Je vais aller voir le sentier des trois bassins. C'est une petite rando, je crois, pas très longue, mais qui permet de voir trois cascades. Donc est-ce que je vais réussir à les trouver? On verra. Mais je me dis, c'est pas très très loin. Comme ça, là, je fais pas mal d'activités dans le nord. Et ensuite, j'ai envie d'aller à l'Ermitage, parce qu'on m'a recommandé un resto, un petit boui-boui, qui a l'air délicieux. Et j'ai envie de manger du rocaille saucisse. Encore une petite randonnée fermée, mais qui est complètement ouverte. C'est parti, on va aller voir les trois bassins. Tout le monde a pris à droite au croisement, mais moi selon Rando Python, oui là je suis sur le bon chemin. Allez, faut apprendre à se faire confiance. Ok. Là on peut entendre les cascades. Est-ce qu'on peut les voir? Non. Je vais pas mentir, un peu émue face à cette demoiselle, à cette première cascade. J'en ai tellement rêvé d'être à ce moment précis. C'est fou. Il commence à pleuvoir. C'est le bonheur. J'avais si chaud et je suis si sale. Ça va nettoyer tout ça. J'ai failli pas faire la dernière cascade parce que j'avais faim, j'avais soif et j'avais envie de faire pipi. Et en fait, j'y suis allée. Et c'était ma préférée des trois. Je suis restée là-bas un bon moment. Et là, je suis repartie comme en 14 pour aller déjeuner. Je viens de rentrer dans le Airbnb, quelle journée de fou. J'avais envie de faire un petit bilan parce que c'était... Oh, c'était parfait. Le format activité le matin jusque tard, déjeuner en début d'après-midi et ensuite chiller à la plage, c'est validé. Pour l'instant, c'est comme j'imaginais. Genre je savais en soi que la Réunion ça allait me plaire et que j'allais me sentir bien. Je sais pas, j'avais ce feeling. Moi en soi, le fait d'être seule, de partir seule, c'est pas trop... un challenge parce que je l'ai déjà fait 2 semaines à New York seule, je suis partie à Copenhague. Voilà, ça c'est pas un truc qui me fait peur. Après, à voir sur la durée parce que 3 semaines j'ai jamais fait. Et c'est vrai que je reçois souvent des petits messages me disant c'est hyper courageux de partir seule, etc. Et faut pas que je sous-estime le truc parce que c'est vrai que quand même ça demande un peu de courage. En fait, je le réalise là petit à petit, ça demande quand même un minimum de confiance en soi. Je ressens aucune peur qu'il m'arrive un truc. Et je discutais tout à l'heure avec une fille qui me disait qu'elle aimerait oser partir seule, etc. Mais qu'elle a trop peur de partir à l'aventure, qu'elle a trop peur qu'il lui arrive quelque chose, de l'inconnu, etc. Et déjà, un conseil que je peux vous donner, c'est déjà tester. Partez une nuit, partez un petit week-end en Europe, dans une ville, voilà, safe. Et en fait, petit à petit, ça va venir et vous allez en fait juste découvrir la capacité que vous avez à vous débrouiller seule. Et qu'au final... bah, tout peut bien se passer parce que vous avez tout en vous en fait. Et même si on se retrouve dans une situation inconfortable, ça nous apprend toujours quelque chose et ça nous aidera pour la prochaine situation inconfortable. Donc je pense que c'est comme ça aussi qu'on prend confiance en soi. À un moment, il faut oser. Parfois, vous me demandez genre qu'est-ce que ça apporte. C'est juste tout simplement, ça te permet de goûter à un sentiment mais incroyable qui est la liberté. La liberté de faire ce que tu veux, quand tu veux, de la façon que tu le veux. Je sais pas, de choisir à qui tu parles, t'es absolument libre de tout. Si t'as envie de rien faire, tu fais rien. Tu peux pas culpabiliser parce que c'est toi qui as pris la décision. Par moments, là, sur la rando, je me faisais des stops. Et juste, je regardais la cascade pendant 10 minutes en réfléchissant. Et je culpabilisais pas. Genre, y avait pas quelqu'un qui m'attendait ou qui voulait faire autre chose ou qui pouvait casser mon délire. C'était juste moi et cette cascade. Et ça, mais c'est tellement précieux. Bref, j'arrête de radoter.
Bonjour tout le monde, comment allez-vous? On est déjà samedi, hier j'ai pas trop vlogué parce que c'était un peu une journée de transition, j'ai fait beaucoup de montage pour pouvoir vous poster le dernier vlog de Paris. J'avais pas du tout commencé le montage donc en fait voilà, j'étais à la bourre et il me fallait cette journée pour me débarrasser de ça et préparer un peu aussi les jours suivants. Genre j'ai réservé le parapente, un gîte dans ma fat pour me faire vraiment deux jours de pure rando. Bref, aujourd'hui on est samedi, là je pars me faire un petit run le long de Saint-Leu, le long de la côte. Ça va un peu me dégourdir les jambes parce que ce soir c'est le piton des neiges, l'ascension. Je suis un peu stressée comme d'habitude. Et après le run je veux absolument passer au marché parce qu'il y en a un tous les samedis matin à Saint-Leu. Quand je serai plus dans le sud j'irai faire celui de Saint-Pierre qui apparemment est génial. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi. J'espère trouver des petits trucs à grignoter après mon run du type bouchon, feuilleté et tout le tralala. Temps radieux sur Saint-Leu ce matin. Et elle qui me colle toujours autant, qui veut rentrer dans la maison tout le temps. Mais en fait j'ai l'impression d'avoir un petit garde du corps, j'aime bien quand même. Je t'adore mais t'es un peu collante. Petit déjeuner, j'ai pris un smoothie papaye, ananas, menthe, délicieux. C'est très très rouge quand même. Et j'ai pris des petits samoussas, on va goûter ça. J'ai pris un bon piment, un fromage et un poulet. Est-ce que c'est pas le meilleur petit déj? C'est parti. Les piments ici, mais ils sont tellement bons. C'est délicieux. Ouais, il y a calamar et tout. Les premières larmes du séjour, elles sont là, maintenant, dans la voiture. Je suppose que l'intérêt d'un vlog, surtout dans un vlog d'un voyage solo, bah, c'est montrer un peu aussi tous les aspects du truc. Et ça y est, ça commence à faire effet. C'est ridicule les gens qui se filment quand ils pleurent. Mais j'ai envie de vous montrer que les moments où ça va. Genre tout ce matin c'était incroyable. Et là ça va très bien. J'ai l'impression que ces larmes je les stocke depuis quelques temps. Donc en fait là ça va me faire un bien fou de pleurer. J'ai aucune idée si je vais laisser ça dans le vlog par contre. Hier je me disais les bienfaits aussi de partir solo. Il y a des pensées que tu laissais un peu en suspens. Bah là tu t'y confrontes. Mamma mia. Au menu ce midi, j'ai pris une barquette au marché. C'est poulet coco que j'ai pris aujourd'hui. Tout ça pour la modique somme de 8 euros. Ça, c'est un tiers de la barquette que j'ai eue. Hein. Ça va me faire bien sûr 3 repas. Donc, c'est parfait. Bon, je vous reprends bien plus tard dans la journée. Là, il est 18h30. Je viens de manger une assiette de pâtes plus grosse que moi. Allez, que je fasse le plein d'énergie pour ce soir. Et ça va beaucoup mieux que tout à l'heure. J'ai séché mes larmes. Ça m'a fait un bien fou. Ça arrivait au bon moment. Je crois que d'être ici devant tant de choses magnifiques. Enfin, là, je suis devant le coucher du soleil avec des palmiers. Enfin, ce soir, je m'apprête à faire un truc de fou. Et du coup, ça fait beaucoup d'émotions. Et moi, je sais pas trop gérer le trop plein d'émotions. Ouais, ce matin, j'étais très nostalgique. Et du coup, j'ai pensé fort à mon papa. Ça fait 10 ans que j'ai perdu mon papa et je sais pas pourquoi ce matin, en fait en pensant à mon ascension de ce soir, je crois qu'il faut se le dire, j'aurais aimé qu'il soit là pour voir ça et pour être fier de moi. Quand je vais monter avec mes petites jambes tout en haut de ce sommet, voilà pourquoi j'ai chialé autant aujourd'hui.